sonne ?
Ruvik ? Ton père l'a-t-il ? Ton père l'a-t-il ? Ton père l'a-t-il ? Ton père l'a-t-il ? Laisse-le ! Ton père l'a-t-il ? Ton père l'a-t-il ? Par ici. Attends. Ok, où est-ce que tu m'emmènes ? Ici. Ça va pas tarder à s'effondrer. Par ici. Par ici. Laisse-le ! Beacon, Joseph avait vu juste.
Je le savais.
Leslie? Je peux pas aller là-bas. Non. Jiménez m'avait trahi. Il était trop tard. Si près du but. Il le savait. Il savait que j'étais trop concentré pour remarquer les hommes qui l'accompagnaient. Autrement, il n'aurait jamais échappé à mes pièges. Leur machine n'est qu'une pâle copie de la mienne. La machine que j'aurais dû créer. Mes données, mon équipement, mes théories, mon esprit. Ils ont remplacé mon corps meurtri par... une nouvelle dimension de tourment. Leslie?
Évitez l'œil de Runic. Si vous voulez vivre, faites attention à son œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez bien. Le pauvre. Qu'il repose en paix.
Ruvik. J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Thank you.
Si je m'en sors vivant, plus jamais je monte dans un ascenseur. Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie ! C'est Ruvik. C'est lui qui a... Leslie, non!
J'ai créé ce monde. Je n'en suis pas prisonnier. Ruvik. Il est temps d'en finir. Regardez celui-là. Laissez-le. Ceux-là aussi. Ils n'iront nulle part. Nous non plus. Go, go, go! Inspecteur, vous allez bien? Il y a des survivants? Tenez-moi. Seulement un petit peu d'air frais.
Thank you.